Donc avec vous, j'ai encore un peu de travail, donc je n'aurai pas ça. Alors donc, alors, très bonjour à Villa, ça va tranquillement, merci à toi. Ça va, on est là, on peut le voir, de voir avec les amis, quelques mots pour la radio. Alors, qu'est-ce que tu as à dire concernant le début du tour de Yolanda? Ben là, tout ce qu'on peut dire, c'est que ça va se disputer entre peut-être 4 yoles. On voit déjà 4 yoles qui se dégagent. Donc, ça va être sérieux. C'est de bon augure. Là, on n'a pas 2 yoles qui dominent, mais on a vraiment 4 yoles qui font un travail quand même. Ça va être sérieux. Mais j'aurais aimé que tu nous dises les 4 yoles que tu vois. Alors, on a déjà Sarah, on a UFR, bien sûr. Et puis là, on a Rosette qui vient se mettre dans la danse et puis Cotrelle. Ouais. On sent déjà qu'il y a 4 candidats sérieux. Oui. Mais te souviens-tu qu'auparavant, il y a quelques années de ça, peut-être une dizaine d'années passées, que quand Rosette partait, il avait le temps de revenir avant qu'une gnole apparaissait à l'horizon. Oui, je me souviens de ça. Et des fois, je fais la comparaison avec Boissy, je sens que, pas Boissy, c'est Sarah maintenant, je sens que Sarah fait à peu près comme Rosette faisait, une fois il partit, hein. Oui. Mais là, Rosette, on sent que Rosette revient dans la course, depuis hier, on a senti quand même que Rosette est là. Oui. Comment tu dis, Roquette aussi. Oui. La gueule de Rosette. Oui. Ah ouais, mais Yoni Batia. Ah, Yoni Batia. Ouais. C'est du gardien qui nous il y a la technique. Ah là, oui. Ouais. Alors, donc, ce qui est mignon, c'est que Rosette, il est appelé à son travail, il est venu à Pouillon, il n'y a pas les billets. Mais ça n'est pas dit. 4 gueules là, quand ça va travailler comme ça, parce que c'est des gens qui voulaient innover, obtenir une place là, il n'y a pas changé à rien. C'est parce que ça va l'afficher au lieu. Oui. Il n'y a pas de matin, il n'y a pas. Mais on le travaille qu'à faire. Oui. Là, on va sentir la nuit quand même. Déjà, on va regarder les hommes. Oui. Les hommes bien baraqués, les hommes quand même en santé. Et ça se revoit sur la mer. On sent la différence de préparation entre ces 4 yoles et les autres. Oui, et les autres. Et tu penses que c'est pas la peine. C'est pas la peine. Après, il y a un temps, nous devons faire Cuscano pour faire Cuscano, mais là, Cuscano va pour un autre niveau. Ouais. Il faut se préparer et puis. Ouais. Les meilleurs sont devant et c'est pas sorcier. Exactement. Alors donc, mais pour dire que les meilleurs, c'est plutôt Oui. Merci sur ces mots, je te dis merci. Et puis, bonne continuation.